tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de la série Christmas Day. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en fait on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo en fait d'une box à laquelle je suis abonnée en fait tous les mois. Donc c'est une box en fait qui ressemble un petit peu à Birchbox. Donc comme Charline et Laurine étaient abonnées, donc maintenant l'abonnement de Laurine est terminé et Charline continue donc sur ces vidéos là. Et donc en fait moi c'est My Little Box. Voilà, donc ça se présente en fait comme ça. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc avant juste toute chose, avant de commencer, donc si vous avez regardé donc ma vidéo swap avec Laurine, je vous avais dit donc en fait qu'il me manquait un cadeau et que je vous ferai donc une petite parenthèse en fait juste pour vous montrer en fait ce que c'était. Donc en fait c'était une palette de maquillage donc de chez Sleek. Donc c'est celle au naturel. Voilà, donc je pense que vous la connaissez, donc c'était juste une petite parenthèse, donc voilà, je vais pas plus m'éterniser là-dessus. Donc voilà, c'était en effet en fait le petit cadeau qui me manquait. Voilà. Donc ensuite, pour en revenir donc à My Little Box, donc en fait c'est un abonnement mensuel aussi, donc vous avez le choix en fait, donc vous avez le site internet, donc vous avez le choix en fait entre plusieurs abonnements, donc c'est soit à l'année, soit en fait au mois, et après vous pouvez résilier en fait autant de, à n'importe quel moment en fait dont vous le souhaitez. Donc c'est un peu le même principe en fait que Birchbox. Et par contre au niveau tarif par mois, il me semble que c'est un petit peu plus cher que Birchbox. Je crois que je paye dans les 16 euros ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui ben, j'ai décidé en fait de vous tourner cette petite box que j'ai reçue donc la semaine dernière. Pourquoi? Alors oui, effectivement, vous allez peut-être me dire oh, ça n'a pas forcément de rapport avec Noël. Mais en fait si, parce qu'à la différence donc de Birchbox, c'est qu'à l'intérieur donc vous avez autant de produits de beauté que des accessoires de mode. En fait, vous avez un petit peu plein de choses. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a eu un mois où j'ai reçu par exemple donc des produits de beauté, mais en plus j'ai eu une tasse à café, voilà, des choses comme ça. Donc je trouvais ça plutôt sympa et en fait à l'intérieur, il y avait des choses un peu en rapport avec Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas, plutôt qu'on soit toutes les trois à tourner des tenues de Noël ou des choses comme ça ou des maquillages, alors que en fait je pense que vous en avez peut-être un peu marre de toujours voir les mêmes vidéos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc au niveau packaging, par contre je trouve que c'est super sympa, dans le sens où en fait Birchbox, leurs boîtes sont un petit peu tout le temps pareilles, à part celle pour Noël, donc vous avez vu dans la vidéo de Charline. Mais là en fait, donc chaque mois en fait vous avez donc une petite boîte assez sympa. Donc je trouve ça plutôt rigolo parce que du coup on peut les garder, donc c'est plutôt sympa. Donc par contre je suis désolée, donc je l'ai ouverte, donc forcément j'ai un petit peu tout dérangé. Donc en fait ça se présente comme ceci, donc vous avez en fait un petit nœud donc qui tient tout en fait. Voilà, donc un petit nœud comme ça avec écrit My Little Box dessus, donc assez simple. Voilà, vous avez toujours ensuite une petite page, voilà, comme ça, avec un dessin en thème, en rapport en fait avec le thème de la box du mois. Donc là en fait il se trouve que c'est donc Christmas is in the season. Je suis désolée pour mon anglais, je suis complètement nulle. Voilà, donc avec une jeune fille en fait qui ouvre ses cadeaux, donc c'est vrai que c'est plutôt d'actualité on va dire. Ensuite vous avez donc toujours un petit magazine, voilà, donc en général vous avez plusieurs articles, donc vous avez des tutos make-up, des tutos de coiffure, vous avez des DIY aussi, et vous avez une interview, des recettes, voilà, pas mal de petites choses en fait qui sont assez sympas, donc, et vous avez aussi des articles sur les produits en fait que vous avez à l'intérieur, donc on vous en parle en fait, donc je trouve ça plutôt cool, voilà. Ensuite... donc j'ai eu un petit paquet comme ça aussi, donc où il y a marqué present for you, voilà, donc, et en fait à l'intérieur, c'est plutôt sympa, en fait c'est un petit bandeau en laine, vous savez, donc plutôt sympa en fait avec une petite fantaisie, donc il est noir avec des petites paillettes dorées, donc bien festif, hein. Et en fait donc c'est on va dire un cache-oreille, donc en fait que vous mettez, voilà, comme ça en fait tout simplement. Donc je trouvais ça plutôt cool, c'est bien la mode en ce moment, bon là bien sûr je l'ai un peu mal mis mais bon c'est pas grave, j'espère que je me suis pas trop décoiffée quand même. Donc voilà, non, je trouvais ça plutôt sympa, donc je trouve que c'est bien parce qu'en plus noir et doré ça va un peu avec tout, donc c'est cool. Voilà, donc il y avait ça à l'intérieur. Ensuite en ce qui concerne donc les produits de beauté, donc il y en avait 3 cette fois-ci. Donc là en fait il y avait...
Alors, donc il y avait une crème pour le corps. Donc là, j'ai pas testé, je l'ai reçue la semaine dernière et c'est vrai que je voulais pas tester parce que déjà j'ai pas mal de produits à terminer. J'ai les produits donc du Swap Allorine aussi à commencer. Donc c'est vrai que je vais faire un peu les choses dans l'ordre. Donc là, en fait, c'est un soin corporel. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que vous savez, vous avez un peu le même principe donc que sur Birchbox. Vous avez un petit carton comme ça en vous expliquant un petit peu à quoi ça sert, d'où ça vient et au niveau prix aussi. Donc là, en fait, c'est le 100 ml que j'ai, donc en échantillon. Et donc là, ils vous disent que les 100 ml font 23 €. Voilà, et donc c'est une crème qui apparemment vient de Laponie, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise et que j'ai mal compris, je vous laisse me le dire en barre d'infos, peut-être que je me coucherai moins bête du coup. Donc plutôt sympa. Après, niveau odeur, je suis pas fan. Ça sent un peu fort, je trouve. J'aime plutôt moi les odeurs douces, donc c'est vrai que je suis pas très fan, mais c'est pas une odeur désagréable et elle a l'air de bien hydrater, donc pourquoi pas à tester. Et ensuite, donc j'ai eu un rouge à lèvres, donc de la marque My Little Box, parce que du coup vous avez pas mal de produits de leur marque à eux, sincèrement, qui sont plutôt pas mal. J'ai testé une eau micellaire qui est super bien et que je me démaquille avec en ce moment et sincèrement elle est bien. Donc voilà. Donc là c'est un rouge à lèvres, donc vous avez plusieurs coloris. Donc c'est des couleurs qui vont à peu près à tout le monde et qui sont bien tendance cette année. Donc le rouge à lèvres, il est à 19 € à la base. Et donc là moi je l'ai eu en teinte donc comme ça. Je vous ferme un swatch. Alors ça fait rouge à lèvres mais labello un petit peu aussi je trouve. Donc hop, voilà, donc il est comme ça, il est plutôt sympa. Après à voir au niveau tenue, c'est vrai que j'ai pas essayé du tout, donc je vous en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'était pour les deux produits. Et ensuite en plus en cadeau, donc j'ai eu un fard à paupières en fait de chez Make Me Limonade. Donc en fait c'était la marque phare de cette box en fait de ce mois-ci. Donc là en fait c'est une nouvelle marque apparemment de chez Loved By. Donc plutôt sympa. En teinte on est sur le numéro 1. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, par contre ils le marquent pas. Et c'est un fard donc plutôt sympa, qui est un peu dans les tons de marron en fait. Voilà. Sincèrement, il a l'air pas mal pigmenté. Il a l'air plutôt sympa. Après, je pense qu'il ne faut pas le mettre seul. Là, c'est vrai que sur ma peau, il ne se voit pas très bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut se servir pour faire des smookies ou des choses comme ça. Et donc, le fard, il est à 15 €. Donc, sur le site lovedby.com. Voilà, donc en plus c'est bien parce que du coup ils vous donnent des sites sur lesquels vous pouvez commander, donc c'est plutôt cool. Donc ça du coup c'était plutôt pour les produits. Et ensuite, donc j'ai eu pas mal de choses d'autres. J'ai eu un ticket d'or, donc en fait là ils avaient fait un tirage au sort en fait pour pouvoir gagner un cours de danse. Bon, pour apparemment adopter la grâce des ballerines, donc en même temps je suis bien contente parce que moi et la grâce je pense que ça fait deux, surtout dans danse classique. Et en fait c'était avec le parfum Repetto qui organisait ça. Bon, et puis malheureusement donc j'ai découvert que j'avais perdu. En même temps j'ai jamais eu de chance donc forcément. Voilà. Et ensuite donc j'ai eu aussi un petit carton. Donc là en fait c'est pour offrir un abonnement en fait à une amie, donc c'était plutôt sympa parce qu'il y avait un joli packaging, donc voilà. Donc en fait vous choisissez la formule que vous voulez pour l'abonné et puis vous avez de quoi marquer en fait pour faire comprendre à la personne à laquelle vous voulez l'offrir que donc vous lui avez offert un abonnement pour ce genre de choses. Voilà, et ensuite donc les choses que j'ai eues en rapport avec Noël qui étaient plutôt sympas du coup. Donc c'était en fait des petites étiquettes comme ça.
que vous pouvez donc fixer avec une bobine de fil comme celle-ci ou avec d'autres. Là, c'est vrai qu'ils m'ont donné celle-ci qui est plutôt sympa aussi et qui va bien en fait avec les étiquettes. Donc voilà, une étiquette avec marqué Joyeux Noël, voilà, des choses comme ça. Donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors c'est vrai que j'ai même pas vraiment regardé, j'ai pas franchement eu le temps. Oui, vous voyez, il y en a une comme ça. Bon, après, je vais faire vite. Hein. Il y en a une un petit peu plus girly. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc plutôt sympa en fait pour agrémenter les cadeaux. Je trouve que c'est sympa et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, pourquoi pas, je vous dirai si je m'en suis servie pour mes cadeaux. Et puis ensuite, donc j'ai eu une petite pochette comme ça. Alors, à l'intérieur, rien qu'en fait les packaging, je les trouve super jolis, donc c'est bien. Et là en fait, à l'intérieur, donc c'est des petites étiquettes et des comme des gommettes en fait, donc certainement pour étiqueter aussi, pour marquer le nom des personnes à qui vous offrez donc vos cadeaux. Donc là pareil, il y en a plusieurs. Donc là par exemple, vous voyez, il y en a avec des petits sapins. Voilà, après je trouve ça plutôt sympa et pourquoi pas. Donc je vous dirai aussi pareil si je m'en suis servie ou non. Voilà, donc c'est vrai que je trouvais ça plutôt sympa en fait comme vidéo à vous faire en fait, parce que c'est vrai que ça change un petit peu des box habituelles où en fait on vous parle simplement de produits de beauté. Voilà, donc écoutez, voilà, je trouvais ça plutôt cool de vous en parler. Je pense que ça fait 50 fois que je répète la même chose, mais c'est pas grave. Donc écoutez, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou n'importe quoi, donc de me poser des questions en commentaire, donc on vous répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc de vous inscrire pour participer donc à notre concours. Si vous n'avez pas toujours suivi les derniers événements, regardez donc la dernière vidéo de Laurine qui vous expliquera en fait qu'on a eu un petit souci par rapport aux participations de concours. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour mieux comprendre. Je ne vais pas m'éterniser dessus puisque c'était pas le sujet de la vidéo. Je vous invite aussi donc à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, et surtout donc de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de faire de la pub pour nous rapporter un peu plus d'abonnés et pour montrer que vous nous soutenez encore et toujours. Voilà, ça marchera. En tout cas, on est toujours très heureuse de voir que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.